Les élèves du deuxième arrondissement de Port-Gentil viennent de bénéficier d'un bus de transport scolaire remis par Jean-Fidèle Otondo, ministre de la Promotion des Investissements et par ailleurs élu de cette partie de la capitale pétrolière, un moyen de transport qui vient soulager un tant soit peu les élèves et leurs parents. Nous écoutons le donateur. Le gouvernement a déployé beaucoup de moyens. Le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour mettre nos apprenants dans des meilleures conditions. Nous avons réfectionné des écoles. Nous avions donné des moyens au système éducatif de notre pays. Parce que nous voulons cette école de l'excellence prônée par le chef de l'État. Lors de la campagne, comptant pour les élections législatives, nous avons, nous, représentants du Parti démocratique gabonais dans nos eaux maritimes, nous avons pris un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, le geste que nous venons d'accomplir n'est rien d'autre que la réponse apportée à une sollicitation qui a été exprimée par les populations du deuxième arrondissement. C'est une promesse électorale et j'ai tenu avec l'ensemble des élus, j'ai tenu à ce que cette promesse soit respectée.